Voilà, je crois qu'on est complètement qu'autre jour. Ah bah c'est mieux, voilà, salut. Samedi 15. Samedi 15 janvier, je crois qu'on est pas mal. Ne faites pas attention à mes cheveux, je vais chez le coiffeur en début d'après-midi. Nous allons d'ailleurs, lui aussi, je le prends en même temps. C'est pour ça que mes cheveux sont dans cet état, puisqu'il ne faut pas les laver avant. Vaut mieux éviter, sinon ça, au niveau du cuir chevelu, c'est pas terrible quand tu fais des couleurs, ou enfin, je fais pas de couleurs, mais des mèches. Là, je m'avance un max parce que il est quelle heure, je vous ai dit ou pas? Il doit être 8h20 et je dois emmener la deuxième fournée de box, mais j'ai envie d'en faire le plus possible de façon à ce que lundi, il y en ait moins à faire. Mais elle m'avait dit de venir à 9h parce que c'est moins le rush. Je vais essayer de l'appeler pour voir si je peux venir un peu plus tard. Ce que vous entendez derrière, c'est la machine que je viens de lancer. Et comme c'est juste dans la pièce à côté, et ben ça résonne. Je fais une petite pause, il est 9h, j'attendais qu'Eric se lève pour qu'on déjeune déjà. Et bah après je file à la poste. J'ai reçu ça ce matin, une petite lettre. Il s'agit de ma graphiste, celle qui a fait mon logo, Studio Pampan. Qu'est-ce que c'est joli. Hop, Eric ouvre les volets, vous entendez. Jack, évidemment, bah, est là. Il vient voir ce qui se passe. En fait, j'ai mis du petit vernis rouge hier soir. Elle m'a envoyé tous ses vœux avec une de ses illustrations en carte postale. Regardez la beauté. Donc c'est elle, hein, évidemment, vous l'aurez compris, qui fait le visuel. Qu'est-ce que c'est beau. J'essaie de vous montrer parce que c'est un peu holographique. Ah voilà, regardez la couronne. Oh, c'est trop beau. Tu as vu, bébé? C'est elle qui le fait. C'est très joli. Il est à peine réveillé. Moi, j'adore. Oh, ça, ça va aller dans mon bureau direct en déco. D'abord, je déjeune. Oh, c'est trop beau. Quand tu passes dans un endroit un peu plus sombre. Magnifique. Découverte du jour. J'étais dans ma voiture en train de la dégivrer. Donc, je trifouillais en attendant. Et je regarde cette pochette dans laquelle, bah, en fait, tu as le livret d'entretien, ce genre de truc. Et sur quoi je tombe? Ça grince. Ceci. Encore, je m'étais dit, tiens, c'est bizarre. Ils m'ont pas offert de porte-clés. J'ai eu, par contre, ils m'avaient offert des chocolats et ils m'avaient offert aussi la même voiture, mais en format miniature. Mais en fait, c'était dans ça. Et comme j'ai pas encore eu l'occasion de le regarder, parce que l'entretien, c'est bientôt, mais c'est pas encore. Regardez, en plus, comme il est beau, avec la petite languette comme ça, en cuir, ou je sais pas, mais en tout cas, il fait cuir. Très beau. Voilà, découverte, là, j'attends. Il y a un monde. Je sais que je dois aller au service pro, mais comme elle m'avait dit le samedi matin, vaut mieux pas, il y a trop de monde, j'ose pas y aller. Mais en même temps, j'ai envie d'envoyer la deuxième fournée, quoi. Bon, j'attends que ça désemplisse, en fait. Et après, on va faire les courses parce que on n'a plus rien. Et on s'est dit, bon, moi je sais qu'après le coiffeur, je suis stone. Ça dure 3h, enfin j'aurai la flemme. Donc on va y aller à midi, 11h30 midi. Donc dès que j'ai terminé. Et après, on enchaîne coiffeur. Programme. Mon petit chariot que je suis en train de remplir. Hier, il était blindé. Et lundi, j'y retournerai pour la troisième. Hein. Où est mon téléphone? Ah, il est là. Oh, là. Ça, c'est fait. Impeccable. Je rentre à la maison. Attends. Et on va faire les courses. Peut-être que j'enlève ça quand même. J'ai vraiment une sale tête en ce moment. Ouais, je confirme. J'attends Eric qui est sous la douche. Puis après, comme prévu, on file. Hein. C'est carré. Ah, ok, oui. Google. Ah oui, c'est drôle. Hein. Quelle est ma liste de courses? Puisque je n'ai pas reconnu votre voix, je n'ai pu trouver aucune liste. Voilà, super. Ok, Google. Non, mais rien ne vaut le papier. Hein. Quelle est ma liste de courses? On va être en retard. Je ne reconnais pas votre voix. Non, mais arrête de parler longtemps. Vous pouvez essayer et ça, c'est chiant. Tard, installer non, mais... la dernière version de Voice Match. Tu dis rien pendant deux minutes? Consultez la notification. Merci. Que je viens de vous envoyer. Ok, Google. Quelle est ma liste de courses? Puisque je n'ai pas reconnu votre voix, je n'ai pu trouver aucune liste. Vous pouvez réessayer de vérifier vos paramètres Voice Match dans l'application. Mon bébé, c'est pas grave. Non, mais attends, c'est chiant, c'est chiant. Je te promets, c'est chiant. Ah oui, c'est... Ne dis rien pendant deux minutes, parce que déjà, tu comprends rien. Ok, Google. Quelle est ma liste de courses? Vous avez six éléments sur cette liste. Oh, mais enfin bon. Bon, on va aller à Lidl. Ça va être plus rapide. Je vais me prendre un sandwich aussi, je pense, comme ça. Et si je ferme à 4 heures, ça va pas le faire. On avait été coupé, on est rentré. J'avais plus de. Il fallait que je fasse le ménage. Je suis contente, je vous disais, j'ai retrouvé. Enfin, vous savez, mes petites purées que je prends à la noisette.
Il ne restait plus que deux, je me suis jetée dessus. Hop, je ne vais pas avoir le temps de vous montrer. Je vous dis, il faut que je mange. Vous voyez, c'est celle-ci que je vous disais. Avec la pomme de terre écrasée. Oui, je vais manger. Oui, et regarde, j'ai pris des pommes alphabées. Oui, c'est bien. Pour enfants, ça avait l'air très... Oh merde, je me suis plantée. Oh, ah si, ça va au four. J'ai pas cité que friteuse. Va manger maintenant. Et regardez ça. Des sorbets. Mais ok, donc, va manger. Oui. Ben, je cherche mon sandwich. Cookie sans gluten. Ah, ça y est, je l'ai. Mon sandwich. Alors, Eric est avec moi et il veut faire cette coiffure-là. Il me demande mon avis. Il veut qu'on lui coupe comme... C'est vrai qu'elle est pas mal. Bah, tu sais que le gars me ressemble assez. Là. Ouais, ouais. C'est oui. Toi. Je vais faire là et puis je sais pas si je coupe. Qu'est-ce qu'il y a ? Celui-là. Ah, pardon, j'avais pas vu. Toi, moi, j'aime bien ça aussi. Ah, oh, ouais. Un non, peu mais... dandy, c'est pas un style. Exactement. Dandy. Ça non, fait. Dandy chic. J'ai oublié de mettre ma petite ceinture. Alors, à la base, je devais couper et j'ai juste coupé les pointes. Et elle a voulu essayer un wavy. Et le wavy, à chaque fois, je dis oh non, pas sur moi, ça me va pas. Et ben en fait, c'est trop joli. Vous avez vu, ça donne du volume. Très très bon. Et on a fait juste des mèches à ce niveau-là. Le résultat est très joli. Je vous montrerai mieux de toute façon à la maison sans le mal. Mais j'ai pas voulu parce que à la base, je veux quand même avoir les cheveux pour cet été. De retour. Le wavy, bon, il tient pas beaucoup. On a juste mis de l'huile, on n'a pas mis un truc fixateur. Mais en tout cas, elle m'a montré, et maintenant je connais la technique si jamais je veux faire des petites ondulations. C'est beau, hein, quand même. Hein. Donc on a juste fait ici, puis une patine après. Et regardez. J'ai donc pris une huile comme ça, en format 30 ml, de chez Revlon, donc 13 euros. Et en fait, c'est une huile que tu mets sur cheveux secs ou humides. Et ça va venir protéger, surtout si tu fais du lisseur comme moi ou sèche-cheveux. Ça sent super bon, c'est un peu à la vanille, c'est à l'huile d'argan, je crois. J'ai pris le petit format, 30 ml. Il est 5h10, je file chez ma maman qui, comme je vous ai dit, s'est bloqué le dos. Donc j'ai fait quelques petites courses et je lui ai repris ça, son thermacare. Mais bon, c'est pour dépanner. Hein. Il faut qu'elle aille chez le médecin, elle n'a pas le choix. J'ai oublié de vous montrer, elle m'a offert ça pour l'achat du produit. C'est un porte, comment ça s'appelle, de chez Revlon, un porte portable. Ça fait très Gucci, hein. Ils sont inspirés les gars. Voilà. Nous sommes le lendemain. Alors hier, quand je vous ai quitté, je partais chez ma maman. Je suis restée un bon moment. Résultat, je suis revenue, il était 18h30. Et comme j'avais pas eu le temps de me poser depuis quasiment le matin, et bah je vous ai pas repris. Tout simplement, là on est donc dimanche. Je m'apprête à tourner deux vidéos. Donc là, je vais aller me coiffer un petit peu mieux parce que j'ai mis à l'arrache. Bon, bah, les wavy là sont vite partis hein, sur moi, mais c'est pas grave. La couleur est jolie, hein. Elle est très jolie. Et je vous ai même pas parlé de la coiffure d'Eric. Franchement, c'est très beau. Ce qu'il a fait, enfin, c'est très proche. C'est exactement par rapport au modèle. C'est très chouette. Bon, là, je peux vous montrer, il est dans son bureau. Et ouais, donc là, je vais faire deux tournages. Et à 4h, j'ai un rendez-vous téléphonique. Oui, un dimanche, j'ai une réunion, en fait. Donc là, je me dépêche parce qu'il est déjà 13h40. Ah, vous savez tout. Par contre, je vous ai montré ça vite fait parce qu'on est d'accord. Hier, j'étais un peu pressée. Ça, là, un truc de fou que j'ai acheté à Lidl. Donc, c'est la marque Sunday. Je pense que c'est une des marques qu'on peut trouver. Et... d'après moi, c'est une nouveauté. Bon, je ne vais pas à Lidl depuis bien longtemps, mais je ne les avais encore jamais vus. Je n'ai, je vous le dis, attention, jamais, Eric confirme, manger des cookies aussi. Bon, si vous avez l'occasion, goûtez, regardez. Le dos est quand même très chocolaté. Et ça, c'est que des petits carrés, donc c'est aux trois chocolats. C'est exceptionnel. Dites-moi en commentaire si vous avez eu l'occasion de goûter, c'est trop bon. Et lui aussi, je peux vous dire, il valide. Mais tu n'en as pas mangé, tu n'as pas le droit. C'est poison pour les enfants, pour les chats. Le chocolat. Je vais d'ailleurs le ranger parce que si ça traîne, il est capable de, comme un peu comme l'avocat, de le dégommer. Ciseaux portables, je monte. Et en fait, je vais tourner le contenu de la box de janvier. Je publierai ça demain, même si certaines personnes n'auront peut-être pas encore reçu leur box. C'est pas un spoiler parce que si t'as pas envie de voir ce qu'il y a dedans, tu regardes pas. C'est pas comme si je publiais des photos sans prévenir ou que je montrais directement le contenu, donc vous aurez le choix de regarder ou de ne pas regarder. Mais, putain, le cardio, faut que je travaille. Je monte un escalier, j'en peux plus. Mais voilà, donc demain lundi, vous aurez la vidéo de présentation. Et là, je me fais une petite tête. Enfin, en tout cas, rouge à lèvres, un peu de blush et compagnie, et cheveux.
Voilà, je viens de terminer le tournage. Il doit être quelque chose comme 15h10. Je vais regarder, je vais dérusher, comment dire, voir si ça va au niveau de la lumière. C'est ça qui m'inquiète un peu, parce que vu qu'il se fait sombre, j'ai mis un projo ici et rien ici. On va voir. Et je me dépêche parce que je vous ai dit, j'ai un petit rendez-vous à 16h. Ça va aller très très vite. Je vais donc arrêter maintenant ce vlog. Vous faire un gros bisou et vous dire demain, présentation de la box de janvier. Et après, vlog. Bisous, ciao. À bientôt. Salut.